L'Europe sociale, une Europe quand même encore assez balbutiante. 1979, année des premières élections du Parlement européen, et déjà la notion d'Europe sociale est présente. Une notion qui évoluera très peu en 40 ans. Pendant longtemps, dans une logique de marché commun, d'union économique, la définition du mot « social » est surtout rattachée au travail. Le premier acquis de l'Europe sociale, c'est la libre circulation des travailleurs salariés. Fin des années 80, après avoir mis en place la libre circulation des travailleurs, l'Europe se penche sur les conditions de travail avec plus ou moins de succès. Alors que l'Espagne et le Portugal viennent d'intégrer la communauté, certains citoyens imaginent une harmonisation des conditions de vie. En France, par exemple, on sait qu'ils travaillent 38 heures, et nous, on en est encore à 40 heures. 1988, les politiques semblent avoir entendu le message. L'Europe sociale, c'est devenu l'objectif principal en même temps que l'objectif de l'Europe monétaire. On va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Un an après, en 1989, l'adoption d'une charte sociale est le projet de la communauté. Au départ, la Commission de Bruxelles recommandait une harmonisation de l'âge minimum pour le travail, une durée hebdomadaire maximum du travail et aussi un salaire minimum européen. Mais... Les critiques de Margaret Thatcher, mais aussi du Danemark et du Portugal, ont peu à peu édulcoré cette charte. Conséquence, le texte sera vidé de son contenu et le Royaume-Uni refusera de le signer. L'accord conclu à 11 est un texte qui ne fait que poser que quelques grands principes et n'a aucune valeur ou aucun aspect contraignant. Les années passent et seulement quelques avancées sont à noter, comme l'instauration finalement d'une durée maximale de temps de travail hebdomadaire en 2003. Pas suffisant pour certains citoyens qui sortent maintenant dans la rue pour demander davantage d'Europe sociale. On a besoin d'un Parlement européen aussi fort que les parlements nationaux, avec un budget pour une Europe sociale, une agence européenne pour l'emploi, une Europe pour tous, pas pour les privilégiés. L'Europe sociale est donc encore une chimère, car les politiques sociales relèvent de la compétence de chaque État. L'Europe se contente, elle, de règles communes minimales.